bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Boobies. Salut Boobies. 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 Pour un nouvel épisode de Stellaris. J'allais dire Master of Orion, mais toujours pas. D'ailleurs, putain, il faut d'ailleurs toujours que je le reprenne ce let's play. J'ai pas fini. Mais ce sera plus tard. Donc on en est à... Oui, j'essaie de recoloniser là-bas. Vas-y, pleine balle. Solo, augmente-moi cette vitesse tout de suite. S'en fout là, il se passe rien, c'est nul, on s'ennuie. Ah, les gens ont quitté la vidéo, ça y est, ils ont mis un pouce rouge. Ça avait la mentalité, c'est de ta faute. Je demandais à être remboursé maintenant. Non. Voilà, le remboursement, c'est pour bientôt. D'ailleurs, j'ai monté la vitesse au max. Je m'étonne de mes. Ah si, ils colonisent quand même ces gros cons, d'accord. Enfin, je sais pas, j'ai des vaisseaux colons qui se baladent, mais. Là, ça ressemble pas mal à jouer à concept pour changer de vie, hein. Il y a des planètes par là aussi de mémoire. Yes. Ça serait intéressant qu'on vous terraforme en... un monde quoi toi? Tropical. Donc bon, c'est intéressant que je te terraforme pas du tout. Alors est-ce que tu as fait des mêmes choix dégueulasses que tes congénères? Hein? Poche de survivants. Sur Jarus, nos forces continuent de cartographier le réseau de tunnels situés sous notre colonie. Elles ont repéré une grande ville alien qui a réussi à s'isoler du reste de l'Empire souterrain avant qu'on y envoie du gaz de neurotoxique. Cette ville abrite des millions d'aliens effrayés. Nos ingénieurs doivent-ils provoquer l'effondrement de la grotte pour en finir? Bah oui, quelle question. Pourquoi vous me demandez Vous êtes stupide ou... Ça se passe comment? Vos parents ils vous ont roulé dessus quand vous étiez petit ou quoi? Bande de con, bien sûr, détruisez-moi cette saloperie. Des millions. Des enfants et tout. Enfin, tu vas me dire, ah, je suis pas mieux. Retour de la cache énigmatique, cette mystérieuse entité tubulaire que nous soupçonnons d'avoir scanné l'une de nos planètes est revenue en orbite de Chronos. Elle semble tenter d'entrer en communication. Ouais, vas-y, allez. On va lui causer tout le temps qu'il est là, le pote. Il fait partie des murs maintenant, tu sais. Maintenant, c'est un frère. C'est un frère, frère. C'est un vrai, quoi. Il rentre en communication avec toi ? Ouais. Colonization in progress. Nos vidéos feed, transmission énigmatique, salutation, nom espèce illisible. Nous avons je suis Baldor avec beaucoup de chiffres derrière. Une IA consciente opérant au nom de la fondation laotienne. Le Laos a créé une IA. Hein. De préservation des xéno-espèces menacées. Vous et tous vos pairs galactiques avaient été sélectionnés pour une provolution. Nous avons jusqu'à présent provolué espèces inférieures avec un taux de succès de... Et nous sommes déjà une civilisation et qu'implique cette prévolution. Vas-y, parce que si tu me donnes beaucoup de technologie, ça m'intéresse. Un transfert de données à longue portée est une situation et une stimulation cognitive par le biais de l'hypnopédie. Il s'agit d'une méthode hautement efficace, souvent expérimentée, pour l'essentiel indolore, qui me permettra d'exercer les facultés intellectuelles que votre population dans son sommeil. On attend de moi que je vous informe que les effets secondaires de capacités cognitives surmultipliées chez les organiques peuvent comprendre, mais n'y sont pas limités, un désenchantement, des refus acides et un désespoir insoutenable chez certains. L'espèce illisible, cela peut aussi causer des effets d'air espèce illisible sévères. Ouais, mais ça c'est pour les Tarlouzes. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Moi je sais ce qui se passe. Excusez-nous, mais vous semblez un peu défaillant. Vous semblez un peu défaillant. Ah, qui êtes-vous exactement? Nous sommes prêts pour l'ascension énigmatique. Nous on a des couilles, sinon je peux te dire hors de question. Mais non, allez, vas-y, nous on est joueurs, on cherche la mort honorable, mec, on a autre chose à faire. Donc, voilà, ça c'est bien, ça c'est cool. Plante-moi un générateur de bouclier chez toi, fais pas chier, pépé. Voilà, donc nous on s'éclate hein, chez nous, nous on s'éclate, on s'y hâte la rate, on se la pète, hein, tu vois. On est des mecs comme ça, hein. Ouais, bien sûr. Et bah, seul truc que je peux te dire, c'est que t'as bien fait. T'auras 2-3 trucs qui va se passer, mais t'as bien fait. On est des clingons, mec, on est solide. Le mec, il est là, ça fait des millénaires qu'il est là. Il a vu deux empereurs se succéder.
Il a vu la logique Klingon implacable. Il s'est dit, eux, ils sont tellement cons, je peux leur donner le savoir de l'univers, jamais ça bougera dans leur tête. Tu vas voir que c'est vraiment pas mal le bonus. Ils continueront à faire exploser les gens. J'aime bien ce mec qui est là. Bon. Non, alors par contre, je veux pas être méchant avec le jeu, mais le jeu nous parle de cohérence. Comment te dire ? L'espèce qui vient me voir là, le cube énigmatique qui a pété un boulard là, il vient me voir en me disant ouais, je suis là pour préserver les espèces. T'es au courant que tu parles au Klingon ? Enfin, moi je réduis pas les gens d'esclavage. Je les dynamite. Je les fais sauter à l'arme nucléaire. Je les bombarde, pendant 2000 ans. Jusqu'à qu'il en reste hashtag Shelleb. Je suis Shelleb, tu vois. Je l'ai bombardé pendant 2000 ans le truc. J'en ai eu rien à foutre. J'ai pas sourcillé quoi. Non mais je sais pas combien j'ai dû bombarder pendant un siècle. J'en ai eu rien à foutre jusqu'à qu'il reste plus une poche vivante quoi. Plus rien. Là on a trouvé des insectes dans la terre. On a fait quoi? On les a gazés jusqu'à qu'il reste plus rien quoi. On a tout gazé, rien à foutre quoi. Le mec il vient de voir, oui on protège les espèces, lol. Ah oui, vous êtes un peu défaillant en effet. Excusez-moi mais il y a des petits soucis de fonctionnement chez vous hein. Je suis désolé hein. Je suis désolé de vous dire ça mais c'est pas ouf hein. Bon, alors. Et pas laisser le meilleur empire quoi. Ah ben non ouais, il s'est même planté de baraque le gars. Hein. Clairement il s'est planté de maison. Mais nous ça nous arrange hein. C'est un peu comme si le mec il venait toquer chez toi et faisait excusez-moi monsieur, vous avez gagné 15 milliards d'euros, vous êtes bien monsieur Bilout, alors que sur sa porte il y a écrit Jean-Francis de la Motte, tu vois. Oui, dans ces cas-là, si j'ai gagné 10 millions d'euros, je m'appelle Bilout, hein, y a pas de problème. Hein. Appelle-moi Bilout tous les jours même si tu veux. Hein. No suicide man. No suicide bro. Never mind my friend. This is so good. So good enough. Ah, ça y est, alors, vaisseau colon. Un vaisseau qui se la met dans le colon. Yes. Ah bah, tu peux venir. Pourquoi tu peux pas venir coloniser cette planète? Ah, parce que du coup, elle est en terraformation. Oh là 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 là. Oui. Et du coup, toi aussi, je t'ai mis en terraformation. Oh là 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 là, c'est le drama. Mais tu vas quand même venir, hop, dans l'orbite de ce truc là. D'ailleurs, tu m'as fait penser, mais ceux-là, je peux les terraformer, enfin, les nets. Tu vas me refaire un autre vaisseau colon, hein, tant qu'à faire. Hein. On y est. Hein. Vas-y. Sors-moi du vaisseau colon. J'ai cru comprendre qu'à Puo, il y avait une planète qui pue sa mère, mais qu'on peut peut-être arranger ça, c'est ça? Habitabilité 10%. Ça va, on est quand même pas à moins 10. Ça va. Ça peut s'arranger. Je vais terraformer. Ah, il faut la restauration climatique. Non, mais, ah ouais, bah moi aussi. Non, mais la chiantise maximale, ça va quoi? Ça va la chiantise maximale? Ah bah je suis en train de la prendre. Dans 79 moi je l'ai. Nice. Voilà, l'autre il a toujours toutes les bonnes technologies au bon moment, pour les bonnes raisons. Alors ça suce du dev hein, mais ça oublie de le dire aux copains que ça suce du dev hein. Hein? On a du mal à refiler les tuyaux aux copains pour dire hey, les gars regardez comme on suce du dev. Je vois pas de quoi tu parles. Moi je vois très bien de quoi je parle. Oh là là. Je suis innocent. Ouais, c'était avant de sucer du dev. Espèce de mitochondrie, va. Et en plus, j'ai trop de planètes comme ça que je peux restaurer. Que je peux restaurer si jamais j'ai la restauration climatique, justement. Restaurer si j'ai la restauration. Ouais. Ouais. On aime beaucoup mon esprit de déduction. Génial. C'est vrai que là, l'influence, ça galère un peu. Hein. Ouais. C'est pas aussi bien que ce que c'était avant, quoi. Hein. C'était j'ai avant, plus 3 hein. Maintenant, ça va. Ça commence à venir. Dans un an... Ah oui, je gagne te plus dis... rien, quoi. J'enlève la rivalité. Dans un an, fin de la rivalité. Très bien. Ouais, attends, je vais te dire la date exacte. Non, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de la date exacte, j'ai juste besoin d'envoyer un vaisseau chez toi, et après on sera rival à nouveau. Pas que mon vaisseau sera venu chez toi, d'ailleurs tu sais quoi, vu qu'il faut rien, je vais déjà commencer par le déplacer au plus près de chez toi, au plus près des étoiles.
2446, le 16 février. Construction complete. Tac. Le 16-02-2056. C'est pas tout de suite, quoi. C'est ça que tu voulais dire. Non, c'est très bientôt. C'est dans 4 mois. D'accord. Ah, tu peux envoyer ton vaisseau de recherche. Ouais, c'est déjà en train de se déplacer. Alors, monde tropical, c'est parti. Ici. On part sur une petite base de monde tropical, on aime ça. Ta terraformation, c'est tellement ouf dans le jeu. Tellement important. T'as quoi la surface ? Croissance d'exo-champignons. Ah oui, c'est la fameuse planète pourrie par des exo-champignons. Encore des champis, des champox, de la drogue. La bonne drogue. Il reste encore un peu de pognon. Non, c'est fini là. Il n'y a plus de fric. Ah, c'est bien. Oh, bah, je viens de terraformer 5 ou 6 mondes d'un coup. Normalement, le jeu me dit, mec, il n'y a plus de fric. Hein. Arrête tes conneries. Et l'autre, ça l'emmerderait de venir coloniser là. Ça t'emmerderait de venir me coloniser ce truc là. Il veut, y en a un, il veut pas coloniser. Pourquoi je vais pas donner les droits? Vous n'avez pas les droits d'auteur, monsieur? Bah si, t'as le droit de coloniser. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu colonises pas? T'es un blaireau? Mais t'es un blaireau? Incoming transmission. On a terraformé plein de trucs d'un coup. C'était bien. Ah, du pognon! Merci, parce qu'il y avait des terraformations qui n'étaient pas faites. Je sais, j'ai entendu. Merci, monsieur. J'ai entendu. Construction. Non, mais on apprécie vraiment nos amis. Nos amis esclavagistes, amis avec un purgeur extrême. On l'aime. Il est très doux et très sensible parce qu'il ne tue quand même pas les gens, il est réduit en esclavage ou il les vassalise. C'est quand même un homme charmant. On le trouve vraiment très gentil chez nous. Tiens, le prochain à toute l'ascension que je vais prendre, c'est Défenseur de la Galaxie. Voilà. Et moi, je pense que je prendrais le défenseur de la biodiversité. Je pense que je mérite ce titre honorifique. Comme personne. Oh mon gars, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 planètes en terraformation. Oh putain. Ah ouais, on a arrêté de s'amuser. Hein. Dans 14 mois, j'ai la destinée commune, moi 75% des coûts d'influence de l'intégration des dépendances. Donc ça va les gober, moi je te le dis, ça va gober du territoire là. Oh, ça va gober du territoire, mais méchant. Vous savez, déjà en train de s'amuser, il en peut plus. Il s'éclate, méchant. Il a la rate. Moi j'aimerais bien comprendre pourquoi l'autre connard ne colonise pas. J'aimerais comprendre. Je lui donne des planètes, je lui donne taf quoi. Ah mais ici aussi on peut... Ah mais non on peut pas parce qu'il faut la restauration, c'est ça. On peut pas. Oui, c'est sa restauration. Restauration, je sais plus ce que ça différence avec l'adaptation. On a l'adaptation. Pas la restauration, on a juste le fast-food. Les mondes sont... Ah, ok. T'as compris le lol. C'est vraiment... Non, il a pas compris, ouais. Il cherche encore. Putain, j'étais c'est en train de réfléchir en même temps, là. C'est dur de, pour moi de faire deux choses comme ça en même temps. Dans 73 mois, ce sont les citadelles. Comment je vais être pauvre? Ça va être bien. Bon bah moi je pense qu'on s'emmerde, donc quand on s'emmerde je pense qu'on déclare la guerre aux gens. Comme ça on s'emmerde moins. Là on peut cliquer là sur ton leader là, ton leader. Là ce peuple. Voilà, déclarer la guerre, ferme ta gueule. But de guerre. Ah j'en ai aucun. Oh. C'est à qui que tu vas déclarer la guerre? But de guerre non défini. Voilà, but de guerre non défini. Je sais pas. Ok, non, mais en fait, c'est simple. Non, si tu veux déclarer la guerre à ce mec, tu revendiques un territoire. Bah ouais, mais c'est chiant, ça coûte cher les revendiques. Oh, ouais. Revendiquer, il y avait un raccourci pour revendiquer sans s'emmerder. Voilà, revendication, voilà. C'est quoi là, ça, c'est à Bibi. Voilà. Voilà. T'as un raccourci? On va dire ça. Alors, tu peux cliquer chez eux et faire en fait plus tout en bas pour revendiquer, mais sinon t'as l'onglet en haut à gauche.
Là, là je déclare la guerre. Ouais, mais tu me gênes, mec, aussi, le pédichion. On t'appelle le pédichion dans le milieu. Tu savais ça? Alors, tu le savais pas. Et bah, je déclare la guerre. Voilà. Bon, une bof démocratie. Ah oui, et puis en plus là j'y vais avec mon pot vert, alors là c'est le fun. Là c'est le fun, hein, j'annonce. Hein. Ah ouais, vous vous embarquez là s'il vous plaît. On va récupérer ce caillou là-bas. Ouais, par contre faut vraiment que je gagne beaucoup plus de cailloux parce que là dès que je bouge mes flottes je suis en négatif. Hein. Bon, il y a 70 000 de flottes qui bougent, mais on est quand même en négatif quoi. C'est bien, mais c'est pas bien. Ouais, bah alors la première fois, ça serait sympa que t'attendes les autres copains en fait avant de faire la guerre. Tu pourrais attendre les potes. Tu pourrais attendre les potes. Attends les potes quoi. Oh mais l'autre il veut tout le pex quoi, juste pour lui. Le mec aime le pex. Enfin, elle aime tout le pognon. C'est ma tueuse de dragon là. Elle aime l'XP, oh là là, c'est incroyable. Les champignons là où j'ai tout le temps des agitations, je les ai préévolués pour que leur donner du bonheur. En gros, ils sont plus contents. En gros, je suis en train de les modifier pour qu'ils soient plus contents. D'accord, charcutage de champignons, charcutage de cerveau au KLM. Bon, j'adore ce jeu. Des flottes pour m'attaquer un peu, d'accord. Il a pas de flotte. Okay. Qu'est-ce que j'aime ce jeu, c'est pas possible. C'est malsain, certains disent. J'aime trop. Ça t'indique que c'est quand même très très malsain ton amour pour ce jeu. Ouais, je pense. Ouais. Il reste encore 3 pélicans qui survivent là sur ce caillou là. Putain, crevé un peu quoi. Des gens qui veulent me donner des cailloux en échange d'un caillou, plus un caillou pour me donner des. Ah oh, ouais, vas-y, tiens, tu m'emmerdes, j'ai pas envie de réfléchir, prends. Si j'avais envie de réfléchir, j'aurais joué autre chose que des clingons. Comment ça, vous êtes pas en train de bombarder vous? Qu'est-ce qui se passe? Bombardez-moi cette merde! Allez! Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous pour la destruction de son prochain! Enfin, c'est pas notre prochain, c'est un tierce con, et ça marche aussi. On peut le comptabiliser dans les prochains. Ça va être le prochain à mourir d'ailleurs. Donc ça compte. Ouais, ce vaisseau peut venir là-bas. Colony established. J'ai une colonie qui a été établie. Waouh, avec succès. Incroyable. Quelle colonie. Hein. Quelle colonie. Hein. Colonie qui me met face à des choix cruciaux. Est-ce que ce sera une mine ou est-ce que ce sera une mine? Ce sera une mine. Et toi, tu vas venir là. C'est très bien. Il y a déjà une construction de prévue. Oh, ça sent le génie, quoi. Le mec... Oh le mec, taf, des mines partout. Ouais, mon pote, est-ce qu'il a gagné la... Oh, il a ratamé, mon pote, il a... Non, mais on s'en fout de la bouffe, c'est une option, c'est de la merde. La bouffe, c'est pour les deux. Voilà, et puis là, voilà, vous allez me construire ça aussi, là. Une mine, voilà, c'est ça. Ça s'appelle une mine, c'est vrai. Ici, bah, vous allez pouvoir construire... ça. Et ici encore une autre mine. Putain, ça va être une nation tout en mine. Vive les mines. Intéressant. Oh, complètement. Moi je suis d'accord. Et ici ce sera une centrale. Et puis après pour les autres on verra quand on aura un moment. Qu'est-ce que c'est? Des gens. Je sais pas, il se passe des choses, des traités de paix ici et là, des trucs absolument inintéressants. Incoming transmission. Des communications qui arrivent. Quelqu'un qui veut me donner encore de la caillasse là? Oh là là, mais j'ai plus de place pour la caillasse là. Il y a un piaf qui veut me donner de la caillasse. Un gaz de satrumen là. J'ai ça là. Gaz de satramen. De satramento.
Si, il y a ça. Il y a peut-être trouvé ça. Ouais, mais alors attends, faudrait que je l'accompagne parce que du coup là t'es mignon, mais trop de merde là dans tous les sens en fait. Ouais, en fait c'est ça qui est chiant, c'est ça fait vraiment beaucoup de merdier. Ah, ça m'arrange pas forcément. Ah, attends, sur Zippo base, il y a moyen de t'arnaquer un truc. Il y a moyen de te faire genre une station ancrage un peu, tu vois. Avec genre un truc comme ça. Mais c'est tout, faudrait que je dépense encore plus de fric. Ah bah par exemple, ça c'est très bien ça. Oui, fais-moi ça là. Fais pareil. Suivez le mouvement. Regardez ce que fait le voisin, mais vous faites pareil. Et n'hésitez pas à lui tirer dessus. Hein. Bien sûr. N'oublions pas, on est avant tout dans le partage de la haine de son prochain. Très important. Très important, ouais. Voilà, très bien, ça c'est parfait ça, par exemple. Ouais, n'importe en fait, on s'en fout, vas-y, construis-moi ça, ah, c'est très bien, vas-y, on aime l'énergie, l'Energizer, j'ai pas lancé, non, si, bah, lance ça, vas-y, et ici, du coup, un bouclier, et puis là, une mine, parce que les mines, c'est bien. Oui, il passera sur cette tuile, on a pas de problème avec ça. Pas de soucis. Comment ça, on souffre d'inactivité? Ah oui, on souffre d'inactivité terrible même. Alors attendez, est-ce que tu peux lâcher une petite pause vite fait? Parce que j'aimerais pas refuser le traité commercial qui est en train de me faire. Et pour ce faire, il faut que je claque tout mon pognon. Alors c'est parti. On claque du bif à travers les fenêtres, y a pas de problème. Jetons l'argent par les fenêtres. Je suis en train de jeter l'argent par les fenêtres. C'est important. Je propose un traité commercial somme toute sympathique, hein. Donc ça m'embêterait presque de ne pas le prendre. Construire, vas-y ça, vas-y construis une ferme là, vas-y construis-moi... admettons, vas-y ça, et puis on va refaire un truc comme ça, puis un autre truc comme ça. Voilà, c'est très bien. Voilà, on varie les plaisirs. Normalement, on va attendre que ça débite un peu. Pantarium, ça a été fait. Non, Pantarium, vous êtes en train de me dire que vous manquez d'infrastructure là. Ah, là c'est terrible. Ah, là non, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'on peut vous construire? Ah, oui, rien qui ne m'intéresse tout de suite. Si, attendez, je peux arnaquer un truc. Genre là, on met une mine. Genre, je vous propose là de mettre une mine aussi. Puisqu'on a assez peu de. Voilà, on a assez peu de pognon sur cette planète, je vous propose de rajouter du pognon. Voilà, du pognon. Oui, vas-y, mets du pognon. Du pognon, par exemple, encore ici. Voilà, c'est assez sublime, j'ai envie de dire. Par contre, ça n'enlève pas d'argent. Pourquoi ça n'enlève pas d'argent? Faut que j'attende? Faut remettre lecture pour enlever l'argent? Ah, bah remets une petite lecture pour voir combien on a réussi à gaspiller de pognon. Non. Mais c'est pas grave, j'accepte votre deal, madame. La grosse dinde. Connasse. Voilà. Oui, donc on est en train de bombarder ce brave peuple. En plus, oh, sale peuple dégueulasse. C'est quoi ça? Des tales hacures. Erk. C'est quoi cette merde? Un espèce de reptilien. Un anthropoïde. Des pigeons. Oh, c'est dégueulasse. Et ça, c'est quoi ça? Un robot? Oh, vous êtes vraiment un peuple abject. Heureusement qu'on m'a sélectionné pour savoir préserver les espèces. Je vous rassure, dans le vitriol, vous ne bougerez jamais. Vous deviendrez immortel dans le vitriol. Hop, dans un petit bocal, on sépare un peu les morceaux, comme ça, on peut bien les voir sous tous les angles. Parfait. C'est magnifique. Et votre seigneur, on le mettra dans un grand tube. C'est bien un grand tube, quelque part. Bon, ici ça tue tranquillement des gens, pas de problème. Hein. Bon, on va maintenir comme ça, y'a pas de soucis. Hein. On aime beaucoup. Bon, mes factions, elles sont pas contentes que je fasse la guerre là, c'est chiant, ils sont tous devenus pacifistes avec le temps, ils sont vieux. Oh.
s'emmerde avec eux. Je jure. C'était plus fun avant. Bon, la terraformation, encore combien de temps? Oh, 700 et quelques jours. Ça, race de ces morts, c'est long. Les vaisseaux coloniaux, les. Ah, dans tous les sens, hein. C'est un bordel. Bon, mon gars, là, il est arrivé ici, quasiment. Quasiment. Je vais directement l'envoyer. Pourquoi je peux pas faire de projet? Je n'ai pas les moyens d'atteindre ce projet. Tu m'as... Tes frontières doivent être toujours fermées, monsieur. Ah oui, attends. T'as encore un peu de temps, mais ce serait cool que tu les ouvres, quoi, à un moment donné. Que je puisse co-participer, tu vois, sur le projet, comme il se doit. Destinée commune. Alors que nous sommes sur le point d'accéder à une gloire plus grande encore, nous ne pouvons abandonner ceux qui nous ont servi avec loyauté. J'ai défoncé. L'avenir glorieux de l'Empire a toujours été rêvé comme une destinée commune. Ok, donc là maintenant c'est bon, je peux te. D'accord. Mettre fin à rivalité. Voilà. Tiens, mon ami. J'attends que ça tombe chez WAM. Je prends la couleur des trucs. Blu. Mettre fin à une rivalité. Très bien. Projet de recherche dans le système. Lorsqu'il sera fini, je te l'annoncerai. Comme ça, nous pourrons être rivaux à nouveau. Vive le fun. C'est génial. C'est génial. Tu sens qu'il y a de la corruption là? Non, que de l'intérêt général. C'est de la corruption d'intérêt général. Donc c'est valide. C'est acceptable en fait. Pourquoi Ah oui, mais parce qu'elle attend toujours son zoo. Eh, mon zoo, je veux apprendre à quoi ça ressemble, les bestioles. Ça marche à quatre pattes. Oui, c'est intelligent. Non, c'est comme toi. Oui. Bon, alors c'est bon, c'est valide. Tu peux les étudier. Formidable. Alors ici, une petite guerre de salaison. C'est beau. Ah, ça y est, t'as avalé là, les Corinthiens. GG à toi. Enfin, je suis en train. Ça prend un certain temps. Il est en train de me dire que t'es en train de les. Tu les absorber. Ou t'es en train de les absorber, peu importe. Ce qui ne change pas grand chose finalement. C'est juste une question de temps. À ce niveau-là. C'est ça. Attends, comment on fait ça? Ah oui, ça prend un certain temps, c'est ça. Je sais plus où on voit ça. Je sais plus où moi ça. Je dois avouer que même en bombardant avec des très grosses flottes. Ça changerait le bombardement des très grosses flottes. Après, si, ça change sur les dommages planétaires, la largeur de front, ce genre de conneries en fait. Donc t'endommages quand même plus vite. Hein. Pour l'avoir fait avec de petites flottes et pour l'avoir fait avec des grosses flottes, là, ça change. Mais je veux dire, ça change quand tu passes de 5-4 flottes. Comme j'avais à l'époque qui bombardait, et là effectivement je suis à 70 000 à 70 000, donc oui, ça change forcément quelque chose au bout d'un moment. Je pense que ça change aussi par rapport à la taille de tes vaisseaux. Je pense que les corvettes sont pas faites pour transporter forcément beaucoup de bombes. T'as un bombardement qui est assez limité. Là, bizarrement, depuis qu'il y a les cuirassés, c'est quand même un peu plus aérodynamique. Hein. Ils sont plus que 500 au sol, c'est pas mal, je vous recruterai bien en général. Ah ouais, mais je suis en personnalité maximum dans l'Empire, eh oui, c'est l'emmerdement. Bon allez, ils sont la moitié de ce que vous êtes, posez les armées au sol. J'espère que bon, ceux-là ils continuent à tabasser un peu, voilà, le temps que vous décidiez de bouger vos fesses. Ah, c'est écrit tout en bas, intégration, ok. Dans combien de mois, ça? Combien de mois? Non, moi reste en 48, ok. Ah, c'est le numéro 6, oula, c'est pas tout de suite. Hein. Planetary invasion begun. L'invasion de la planète a commencé. Parfait. Ah, il te déclare comme rival. Qui ça?
ceux-là que j'ai défoncé, la New jusqu'en Carnat, ça les anciens trucs. Pourquoi lui il peut là? Moi je peux pas. Parce que toi t'es un supérieur par rapport à lui, lui il peut, tu vois. Pas de problème. Non, je peux lui déclarer la rivalité. Confirmé. Ah bon? Oui, si un petit empire, à mon avis, c'est si un petit empire frontalier peut te déclarer une rivalité, tu peux lui répondre une rivalité. T'es pas en frontière, change. Bah, il faut croire que si, puisqu'il peut. Tu peux faire. Et je te rappelle que Just Khan et Myth Machin, c'est le même empire. Hein. Au cas où tu aurais négligé ce détail technique. Eh oui. En plus, ça me fait trop rire parce que le petit truc de merde. Son vassal, c'est le Midfeld Alien, maintenant qui est beaucoup plus gros. C'est celui que je suis en train de défoncer, c'est pour ça qu'il me déclare la rivalité. Et t'as vu comme il est divisé en un milliard de parties, le Khanat? Il a. Lequel? 6 territoires. Ah, le Just a Kane! Ouais, Just a Khan! Ouais, il a 6 territoires partis. Inventeur de la canette. Incroyable. De façon n'importe comment. C'est très rigolo. Ça, c'est bien, on peut continuer à bombarder au sol pendant que tes troupes déchargent, ça c'est cool. Hein. C'est quand même formidable. Bon, bah, le Pélican, ça a l'air solide au sol un peu cette merde. Hein. Un dégât provoqué par les armées défensives, santé des armées défensives, dommages des armées assaillantes, morale des armées assaillantes. Ok, on s'amuse, hein. On s'amuse, et chez moi, les bonus, c'est quoi? Ah ouais, alors moi il y a qu'un seul bonus, mais c'est plus 50% quoi. C'est dégâts provoqués par les armées, 50%. Ah non, 60%. Plus 10% de santé. Ouais, enfin ça dépend de l'unité quoi. Mais on part sur une petite base de 50% pour casser des culs. Ça c'est pas mal. Mendox, ça a l'air charmant comme endroit. Je pense que. Ouais, je voulais pas le réclamer. Non, je vais pas le réclamer. Je réclamerai plus tard. On s'en fout, je vais l'envahir intégralement, voilà. Oh, on est en train de faire des fermes, c'est chiant. On peut voir l'onglet de construction, genre. Non, on peut pas. On peut pas. Transférer la capitale de 150 balles, mais t'es fou, quoi. Mais ils sont fous, ils sont dingues. 250 pour réformer un régime, oh. Ça coûte cher. Mais c'est bien, le point de civisme, c'est vachement bien. Mais t'as pas certaines doctrines qui coûtent genre 2 points de civisme? Non? Ah, je crois que ça y est, on aura officiellement cassé le cul. Formidable. Bravo, soldat. Ouais, non, ça fait trop de mecs. Je voudrais juste... voilà. Alors, on va faire comme ça. Paf, on va vous prendre vous. Voilà. Allez m'envahir ça. Il y a combien? Il a 5%. Construction complete. Invasion terminée. Ah, c'est fini. Félicitations. Bravo. Pouce bleu. Vous l'avez mérité. Alors j'ai d'autres stations qu'on finit de s'agrandir, c'est formidable. L'ancrage c'est bien, mais je vais juste en mettre un parce qu'il faut quand même pas déconner. Une ferme pour crouler sous le poids des fermes, comme jamais. Tac, un ancrage. Et une zone hydro. Voilà. Ah ça c'est beau. Ça c'est beau, c'est le beau jeu. C'est incroyable. On gagne 168 de bouffe par tour. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Oh, toi, tu gagnes pas mal de bouffe, hein, effectivement. Oui, je gagne beaucoup, beaucoup de bouffe. Les plaques tectoniques, confère le modificateur d'événements tectoniques récents pour 12 mois. Ouais, ça joue un peu sur le bonheur, à ce qui paraît. Certains disent on est moins content. Le sol bouge, ma maison elle était aux 4 terres du général, mes couilles sur mon front ça fera un papillon. Et maintenant elle est aux 6. Du coup c'est chiant. Moi je comprends, c'est chiant. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Proposition commerciale. Tu me donnes des minéraux. C'est assez bien, en plus seulement provoqué aucun dégât, mais il a mis à jour des minéraux. Ah! Bon bah on vient de gagner de la caillasse. Comme quoi c'est bien les séismes finalement. T'arrives, hop, t'as de l'or qui sort du sol, t'es content.
Voilà. Puis je vais prendre encore un supplément caillasse, voilà. Parce qu'il y a un monsieur qui me demande encore des cailloux. Je fais ouais, vas-y, vas-y, vas-y. As, as, as. Bon, c'est fini cette merde. Terraformation, combien de temps? Oh là là, c'est long, mais c'est long. Oh. C'est aussi long que Gérard Collomb pour se déplacer, quoi. Secours. Tac. Projet de recherche. Qu'est-ce que ça fait? Oh, la longueur du truc. La longueur du truc, incroyable. Ah, mes champignons sont bientôt modifiés. Dans 8 mois. N'empêche que moi je suis arrivé à côté d'eux, de leur péter la gueule, ça fait des années, des siècles qu'ils n'ont pire maintenant. Ils ont pas tout bien compris ce qui leur arrivait. Hein. Début de game. Alors, du coup je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est pas le moment de claquer tout ce que j'ai du mal à... Ouais vas-y, on va tout revendiquer, allez. T'es en guerre? Ah oui, t'es en guerre. Ça coûte cher. Waouh, si cher que ça, hein. Arrêtez de revendiquer les mecs. Centrale minier. Moi je veux revendiquer après ça. 5. Bon ça. Ça coûte cher les revendications. C'est terrible. Hein. Ouais. L'influence est souvent un truc. Quand tu fais les guerres de revendications. Après, il y a une autre technique, hein. Je suppose que au lieu de revendiquer, si je l'extermine tout court, on n'en parle plus, non? Bah, si t'as certains traits, tu peux faire par exemple, genre souvent dans les consciences collectives, genre tu peux faire des aliens, des dévoreurs de mecs organiques, tu vois, et t'auras par exemple un but de guerre, ce sera dévoreur de quelque chose, tu vois. Tu bouffes les citoyens en fait. Des trucs comme d'accord. Ça, où t'as pas... ouais, t'as plein d'autres façons de faire. Tu problèmes socioculturels d'un coup, quoi. Voilà. Par exemple, moi, là, tu vois, j'ai pas eu besoin de revendiquer tous ces territoires. Parce que j'ai fait le but de guerre, vassalisation. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ou par exemple, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bah par exemple, comme dans ma game solo, genre, une fois que t'as un colosse, tu peux en avoir un par empire, c'est le destructeur de planète. Et bah, tu peux faire but de guerre colosse. Tu vois? D'accord. C'est cool. Ouais, donc là en fait t'as pas besoin de trucs parce que tu peux détruire les planètes intégralement. Tu vois. Tu mets ton vaisseau au-dessus de la planète, ton gros vaisseau, t'as des ciblés, ça va charger l'âme et après t'as la mise à feu et après ça tire et t'as les planètes. Ça c'est cool, c'est beau ouais. Ce que tu me dis, ça vend du rêve. Ouais, ouais, ça vend vraiment du rêve, surtout quand t'as des planètes. Par exemple, moi j'avais une armée, une planète que j'arrivais pas à prendre avec mon armée, tu vois, parce qu'il y avait 2600. Unité terrestre dessus, tu vois. Et c'était bonus de ouf en défense en plus qu'il y avait, donc imprenable la planète, à part si t'arrivais avec une armée de 5000, 6000. J'ai mis mon vaisseau au-dessus, pip poup, plus d'armée. Plus de planète non plus, tu vois, à conquérir, mais. Ouais, non, mais c'est cool quoi. Plus d'armée. Ouais, carrément. Ah oui, j'ai oublié que merde, il faut que je ramène. Faut que je ramène mon vaisseau scientifique au plus vite possible. Putain. Oh putain. Ah ouais, bah au plus vite possible, autant que j'en ramène un autre, quoi. Bon bah tant pis. Tant pis pour le projet en temps limité. On l'avait bien aimé. Parce que là, il en a pour un million d'années à traverser ton empire, bon. Mon vaisseau d'explo. Alors qu'il va faire la recherche en 10 secondes. Colonization in progress. Ah, ça colonise. Qu'est-ce qu'il colonise, quoi? Arrêtez de coloniser, je suis pas au courant, là. Qu'est-ce qui se passe? Arrête. Ah, je peux déclarer la rivalité quand je veux un nouveau tour. Tu me diras quand c'est bon. Ah oui, bah pas tout de suite en fait, hein. T'es sûr? Ah bah non, ouais, non mais certain, ouais. Sinon tu dois attendre 10 ans de nouveau. Ouais bah attends 10 ans, hein. De toute façon mon vaisseau est toujours pas arrivé chez toi, donc il est dans ton chez toi, mais il est toujours pas arrivé sur l'objet. Sur bah l'objectif. On va le laisser arriver. Ouais c'est ça. Faut qu'il fasse... Donc ce sera dans 10 ans mon gars. Hein. Mais dans ton vaisseau, j'attends qu'il fasse son truc et après je peux déclarer la rivalité. Oui, c'est ça.
Et après, comme ça, il revient chez moi en vitesse rapide. Hop, il saute au TP. Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'arrange. C'est ça. Vous savez qu'il est, il revient beaucoup plus vite. Alors, cette petite destruction d'armée au sol, comment ça se passe? Ça a l'air de bien se passer. On apprécie énormément les massacres de pigeons. Faut dire que en termes de bombardement, bombarder du pigeon, c'est chiant. Bah, ça vole, quoi. Du coup, t'as tendance à balancer tes bombes sur les sols, ça prend un certain temps. C'est chiant, ça esquive. Après, par contre, ça entraîne vachement bien les tireurs, quoi. Tu t'éclates, quoi. La Gatling, il y a moyen de t'amuser un peu, quoi. Voir, bien je sûr, peux toujours pas classique. Communiquer avec l'enclave, là. Ah si, je peux de nouveau... Avec les traîtres. Los traîtres, si. Petit hyper bouclier, petit blindage sur acier, je serai placé. Oh putain, attends, qu'est-ce qui se passe? Pause. Ancien drone, réponse. Nous avons découvert que les drones encore intacts dérivaient sur l'orbite de la planète. Nous savons maintenant qu'ils servaient involontairement d'un plan élaboré mis en œuvre par une faction inconnue. Compte tenu du modus operandi de cette opération, cette faction est très probablement une organisation pirate ancienne particulièrement astucieuse. Ils ont dû trouver ces drones à la dérive dans l'espace et contrairement à nous, ils ont réussi à les modifier. Bien qu'ils se soient contentés d'y introduire une technologie alien autonome, ces pirates aliens possèdent néanmoins un savoir-faire technologique bien supérieur au nôtre, du moins dans certains domaines. Après avoir installé leur système de communication dans les drones, les pirates les ont laissés dériver dans l'espace en sachant qu'ils étaient programmés pour servir les colons de leur maître d'origine et qu'ils auraient probablement du mal à les identifier après tout ce temps. Les drones servent notre colonie pendant que les pirates attendent le bon moment pour frapper. Nos analystes militaires pensent qu'ils frapperont dans les 2 ans qui viennent. Alors qu'ils viennent, j'ai le choix, capturer les drones et envoyer les détruire leur soi-disant maître. Nous devons empêcher cela, démontrer les drones. Tu sais ce qu'aurait fait l'Empire Klingon. Qu'ils viennent, ouais, le problème c'est que non, j'ai pas mes armées... Non, j'aurais démonté les robots, ils sont interdits chez moi, je te rappelle. Moi j'aurais démonté les robots. Drones. Enfin c'est des drones. Hein. Pas d'emmerde. Capturer les drones et envoyer les soi-disant maître. Démonter les robots. Moi, j'aurais cassé la baraque et fin de l'histoire quoi. Je vais les démonter. Pas d'embrouille. Pas d'embrouille dans la cuisine de Ratatouille comme on dit chez les Klingons. Je vais organiser de nouveau une fête sur tous mes mondes, on va voir. C'est quoi le bandeau bleu? C'est que t'appartiens à une faction, c'est ça? Ah, immigration récente, ils sont très contents. Les gens ils aiment bien immigrer. C'est étrange. Mais pourquoi pas? Je relance. Ah bah écoute, hein, Paris c'est quand vous voulez. Hein. Ok. Je suis à la moitié bientôt de l'intégration. Planetary invasion begun. Ah, on a commencé à les envahir, ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. On aime beaucoup. Après je commence à avoir à nous deux un bon petit empire quand même, tout doucement. Qui ça? Nous deux ensemble. Ah oui, bah ça roule hein. C'est une affaire qui roule monsieur, je te dirais bien. Mmh. C'est qu'on commence à bien leur rouler dessus comme il faut. Qui a le mécano? C'est toi qui as le mécano? Bon vu que t'as le mécano, tu vas partir tout seul là-bas. Amuse-toi bien. Détruis-moi cette planète. Pendant ce temps-là, bah les gars, vu qu'il n'y a pas de force de sécurité pour nous empêcher de faire quoi que ce soit, je vous invite à vous répartir, détruire l'univers tout entier. Voilà. Amusez-vous bien. Bien sûr. C'est très important. Faut continuer à s'amuser. Ah ouais, t'es avec les Corinthiens, là, c'est le gros fun. Ah ouais, quand t'auras absorbé les Corinthiens, tu vas te gaver. Mais je vais aspirer eux, tous les trucs à droite, et le quart machin, encore. Mon dieu, faut que je déclare la guerre aux Corinthiens avant. Sinon tu vas m'empêcher d'atteindre le haut de l'Empire là. Enemy planet secure. Bah si je déclare la guerre en fait aux Corinthiens, tu me déclares la guerre. C'est mes vassaux. Ah c'est tes vassaux. Non c'est obligé que ce soit tes vassaux. Ouais, mais t'inquiète pas, je vais les assimiler et je te transférerai les systèmes que tu veux après. D'accord. Tout simplement.
Ok, ça c'est fait, très bien. Je vais 1 milliard d'amélioration de bâtiments là, toutes mes centrales vont monter niveau 5, 4 et 5. C'est beau, c'est beau. Ça c'est beau ça, c'est très beau. La confédérate, t'as la cure star là, les mecs là que je suis en train d'envahir, bah je les ai bien envahis hein, quand même. Même très bien. L'orque en chef, voilà, c'est une tuerie. Même les orques. Parce qu'on est arrivé. Il est où ton orque là? Ah, en train de casser une station là. Avec c'est un mal de 66 heures. De 66 heures. Ouais, c'est un vieux monsieur, c'est le dernier vieux monsieur qui me reste d'ailleurs. Mes yeux ont quasiment disparu en même temps. Même. Et il balance des missiles, mais toutes les deux secondes il balance des missiles, ton truc. Ah oui, voilà. Oui. Non, mais il est OP son cuirassé, hein. Y'a pas. Pas discuté pendant 107 ans. Hein. Allez, excusez-moi cette flotte là qui se balade là, c'est n'importe quoi. Regardez-moi ces pigeons là. Pigeons. Faites-moi un petit tir aux pigeons là. Voilà, comme j'ai on même les pas aime. Vu, mais t'as le. Autour de tes vaisseaux, t'as débloqué des petits trucs organiques qui se baladent. Tu les vois? Oui. Pas fait attention. Oui, oui, si, si, des. On dirait des tétards. Des petits ouais, voilà, tétards. Ouais. Tyriok 3 peut maintenant être colonisé. Tu sais que c'est leur capitale vaisseau. Que t'es en train de bombarder. Hein. Oui, sûrement. C'est le mec, on s'en fout quoi. C'est des gens quoi. Ils sont pas comme nous, ils sont différents de toute façon. Tous ces gens-là, c'est n'importe quoi. C'est où ça? Oui, non, mais ça ils vont le terraformer, ça ils vont le prendre eux-mêmes. Ils m'emmerdent pas. Mais même Tyriok, pourquoi je m'emmerde avec Tyriok? Oui, vas-y, je veux bien m'emmerder avec Tyriok. Il reste encore un goéland quoi. Intéressant. Mais non, en fait le vaisseau colonial reste ici, reste ici, reste ici, reste ici. Annule ce que tu fais là. Viens ici. Dans les gens qui se battent, donc toi tu bombardes, ok, ok, LM. Alors. Prêt à être colonisé. Ah quand je les aurais absorbés et que t'auras absorbé tout le mec que t'es en guerre là. Son territoire du sud, tu vois, il est séparé. Je te donnerai les trois systèmes là entre Batrogor, Labasio et l'Otandra. Je te les donnerai. D'accord. Ça te débloque le passage. C'est cool. Alors, son ancienne capitale, elle est là. Paf. Vas-y. Il y en est où ton vaisseau de recherche hein? Ah, bah, je sais pas. Je ne sais point. Il se balade. Hein. Dernière nouvelle, t'en as pour un moment. Et j'ai gagné un habitat que je pouvais coloniser. Donc pour retrouver cet habitat, il faut retrouver les vaisseaux de construction qui vont bien. Y'a rien dit, Secondus. D'accord. Ouais. Alors, ramenons un vaisseau colonial de très loin. Hop. Non, c'était pas celui-là. Ah non, c'est celui-là. Colonization in progress. Oh, y a un vaisseau qui se bat. Oh, y a des vaisseaux qui tirent. Oh là, pan. Ah, boum. Bon, y a une base qui est morte. C'était bien. Passion destruction de base, bien sûr. Un simulator. Le premier simulateur de destruction de base. Égalitariste, oui, mais enfin j'en ai un à foutre que vous deveniez égalitariste. Principalement, ce qui nous intéresse, c'est que vous fermiez vos gueules en fait. Voilà. C'est avant tout ce qui nous intéresse. Tu fais quoi toi ici? Visiblement, t'as décidé de compter les points. Arrête de compter les points, bombarde-moi cette merde. Voilà. Ouais, mec, faut toujours vous dire de faire votre travail, c'est fatigant, hein. On apprécierait que vous preniez des initiatives de destruction du monde quand même un peu, de temps en temps. Je sais pas, détruisez le monde quoi. Le fun, la mort, le pampan, tout ça quoi. Ah, de la caillasse.
Je suis un peu plein. Je suis en négatif, mais je suis un peu plein en fait. Alors attends. Est-ce qu'on peut pas s'arranger ça? Genre ça, j'améliore. Ça, j'améliore. Ça, j'améliore. Ça aussi. J'ai dit ça aussi. Merci. Ça aussi. On améliore toutes les bases. Voilà. Là, normalement, on a déboursé un peu de pognon. Visiblement, on est en train de me dire que pas assez. D'accord. C'est bon, j'ai déboursé assez ou pas? Est-ce que je peux débourser ailleurs? Ici. Est-ce que ici on peut pas tout de suite? On peut pas tout de suite. D'accord. Très bien. De toute façon, ça changera plus grand chose. Ah, quelqu'un est mort. Mais j'ai pris. Ah, il faut que j'aille voir l'enclave là, des mecs qui savent là, les gens intelligents là. L'enclave des conservateurs. Bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que vous auriez un clodo à nous prêter s'il vous plaît? On aime les clodos. Pouvons-nous recruter l'un de vos scientifiques s'il vous plaît? Nous apprécierions énormément. Parce que chez vous, à première vue, ils savent réfléchir. Évidemment, nous ferons un petit geste. Petit geste commercial. Prends ton billet de 5000 balles, enculard, et on est bon. Et on dit qu'on est quitte. Voilà. Et du coup, ce connard est disponible. Parfait. Oh, figure-toi que mon vaisseau scientifique est en train de faire le travail chez toi. C'est magnifique. C'est beau. Ah, nice. Ça sera donc bientôt terminé, normalement. Si tout se passe bien. Ok. Alors pensant, on bombarde des tas de trucs, c'est bien, et la flotte, qu'est-ce qu'elle fait? Bah vous baladez un peu, je sens que vous baladez un peu. Je sens que vous baladez un peu, vous allez venir vous balader par là, je pense que ça peut être intéressant. Vous êtes en train de bombarder quelle planète? Vous êtes où les gars? Vous êtes là, très intéressant. Posez les armées ici, il y a combien au sol là, de troupes? Il y a du monde, hein. 430 sur une petite planète, sur une petite planète, bah mais sur une petite planète avec de la pierre bétarienne. Petite planète, forcément tout de suite très intéressante. Voilà. Ce jeu, je le trouve par contre assez mal équilibré au niveau de l'influence. Hein. C'est quelque chose dont je m'aperçois, c'est que dès que tu as des... Enfin, moi, satisfaire. Tu vois, par exemple, dès que tu as une politique de type méga structure plus agrandissement des tuiles, en fait, ça te siphonne en continu. Et t'arrives jamais à rattraper le coup, quoi. Mais t'as compris alors, qu'il faut. Après, tu diras, il faudrait que j'ai mes factions améliorées, qu'ils soient toutes contentes, blablabla, blablabla. Mais... De toute façon, si tu veux gagner des points dans une faction, faut qu'elle soit au minimum à 60%. Ouais, ouais, je vois ça. Il faut qu'ils soient à 60% au minimum contents pour que tu gagnes les points d'influence de cette reine. Donc, c'est pour. Faut bien gérer, faut bien réprimer ceux-là qui t'intéressent pas du tout. Moi j'en ai gardé 3 sur les 6, il y en a 3 qui sont réprimés, tu vois. Par exemple, je sais très bien que les mecs spirituels, ils me. Bah forcément. Ils sont pas du tout. Avec moi, quoi. Forcément, je fonds esclavage, tout ça. Après, tu vois, il faut. Eux, ils œuvrent pour la liberté de toutes les espèces, bah forcément. Tu les réprimes. Bah tu vois, il faut... Après ça force, quoi. Tu connais. Est-ce que t'as besoin de caillasse? Non, pas du tout. Ok. Désolé. Parce que je gagne 800, là, par mois, comment te dire que... Ah, c'est la grosse paix, quoi. Et j'ai pas encore incorporé mes vassaux. Hein. Mec, je vais gagner du 1500 tous les mois, là, je vais te... Ouais, tu vas te mettre bien, quoi. Bah je vais être blindé en fait, hein, je serais même plus quoi en faire. Hein. Bah le truc c'est que je pourrais les claquer, mais le problème c'est que si je les claque, je vais passer en négatif en fait, c'est ça, enfin en gain négatif. C'est ça qui m'embête, c'est-à-dire qu'en gros je vais créer des plateformes de défense, et si c'est pour que je tombe en négatif en entretien, ah, si en toi, tu claques tes cristaux, on sera mal. Ouais. Non, en minéraux.
Parce que je gagne que plus 3 là avec mes flottes. C'est pas mal. Et ça, si Zulkor récupéré. Les Zulkor ressemblent à des insectes en essaim, ce qui est inhabituel en raison de la taille et de la nature lithovore de ces créatures qui se nourrissent de rochers de minéraux. Alors qu'elle tentait de traverser un essaim de Zulkor, une des navettes de ISS d'Aftar 2 a été sérieusement endommagée et ceux-ci ont commencé à attaquer sa coque. La fabrication de conteneurs spécifiquement conçus pour transporter ces créatures est en cours au musée d'exobiologie de Kronos. Excellent. Tu gagnes combien par mois en caillou? Combien je gagne par mois? Plus 2, mais c'est parce que je suis en guerre. En caillou? C'est normal. Oui, oui, en minerai. Okay. Spécimens récupérés. Tous les spécimens demandés par le musée d'exobiologie ont été récupérés. Ce musée s'est considérablement agrandi au point que des générateurs de gravité artificielle et des processeurs atmosphériques sont désormais utilisés pour simuler l'environnement d'une de plus d'une dizaine de mondes. Les visiteurs affluent de tout l'Empire Clavon pour admirer les merveilles qu'il renferme. Moult bonus. Moult bonus. Et normalement, sauf erreur de ma part, on va pouvoir se dire à quel point on s'aime. À quel point on s'aime. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, ascension. Quoi? Quoi, t'as un atout de l'ascension? Ascension énigmatique. À première vue, il me faut un vaisseau scientifique. Attends, mon vaisseau scientifique, il est où? Juste pour voir si je peux cliquer du côté de Kronos. Je crois que l'autre connard, il est du côté de Kronos. Qu'est-ce que c'est que ça? Versement mensuel. Ah, merci. C'est bien énervé. 30 ans, t'as plus de 500. C'est beaucoup, ah, mais ça devrait aller. Je fais la technologie des titans. Les vaisseaux titans. C'est au-dessus des cuirassés. C'est le dernier gros vaisseau. Après, il y a le colosse. Hein. Donc là, tu vas gagner pas mal de cailloux, normalement. Je peux pas. Qu'est-ce que c'est que c'est? En te donnant, en te versant 500 mensuels. Tiens. Mensuel. Mec beaucoup trop riche. Bah je vois ça. Bah écoute, quand tu veux que tu me redéclares un traité de la bite là. Hein. C'est bon, t'es sûr? Ouais, c'est bon. T'as fini tes recherches, tout ça? J'ai fini la seule recherche que j'avais dans ton secteur, donc. Ok. Pas de soucis, bah je déclare, c'est bon. Tu me la déclares, je te la déclare aussi. T'es où? Ah, boobies. Voilà, nice. Déclarer la rivalité, confirmer. Voilà. Putain, je dégueule de matos. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je dégueule de bordel. Ah, du coup, j'ai perdu mon ISS. Il faudrait qu'il revienne d'entre les morts. Tranquillement, mais sûrement. Bon, mon armée s'est posée et a nettoyé le bordel. C'était la première que j'avais envoyée. Ouais, c'est ça, c'est la première. Hop, on va dessus. Je suppose que là, vous êtes en train de les poutrer au sol. C'est exact. Est-ce que vous voulez bien aller... Tiens, déjà, me défoncer ce petit vaisseau-là qui se balade, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Supprimez-moi cette merde! C'est un vaisseau de construction. C'est terrible. Détruisez-le. Dans 13 mois, j'ai assimilé Corinth. Autant dire bientôt. Yes. Bon, bah, j'ai pris une planète de plus, hein. La meilleure, c'est de glaire pour une revendication, je suis en train de le bouffer intégralement en fait. C'est très rigolo. 39 millions de répondre à moi. Any characters, ouais, on s'en fout. Oh, tous ces gens-là ne m'intéressent pas, c'est formidable. Paf, le vaisseau a des pops, c'est très intéressant. Voilà, vous venez ici. Alors sur Clou. Clou, c'est une. Putain, 750. Oh là, beaucoup. Les back. Porté disparu. Oui, bon, bah oui, il est porté disparu. Youpi, on va le pleurer. C'est bon, j'ai fini, j'avais pas le temps. C'était bien. Je suis très content pour lui. Formidable. T'as combien en armée terrestre là, du coup? Bah, je tiens toujours. Allez, à 700 et quelques, mon armée terrestre. Normalement, elle est pas mal. 655. C'est pas une terraformation que j'aimerais faire ici, c'est voir le nettoyage des terres pour gagner une tuile. Alors si je peux te conseiller, tu devrais bombarder le monde de Clo avec ton armée aussi. Bah c'est ce que je suis en train de faire en fait là, non? Ah non, c'est pas ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de se toucher la nouille. Très intéressante. Tu veux pas... S'il te plaît. Je suis sûr que tu peux, je suis sûr que tu veux.
Je suis sûr qu'en te sortant les deux doigts... Voilà, bravo. Bravo. Ouh. On aime les petites différences 15-20 secondes entre ce que je demande et ce qui se passe. Moi, j'adore. J'adore énormément. Vraiment, c'est ma passion. Là, je vais devoir créer ma secteur. Je vais assimiler tout ça, là. Je vais ouvrir la zone, là. Ok. Irianis qui me fait penser qu'à Irianis Segundus, je crois qu'ici, il y avait... Ah non, il a déjà été fait, le traité. C'est déjà fait. C'est déjà fait, ce n'est donc plus à faire. Très intéressant. Incroyable. Incroyable du cul. Incroyable du cul. Et du cul, t'es... Voilà. Bon. Et bah du coup, on va t'améliorer puisqu'on est riche en crevés. Hein, donc, go améliorer, hein, tout ce merdier, c'est parti. 17 mois, c'est les citadelles. Hein. Ça va devenir un film de boule. Oh putain! Assez rapidement. C'est l'histoire des drones là. Oui. La flotte pirate est arrivée un peu Attends, plus tard. Attends, c'est la blague de l'histoire d'un drone là, c'est ça? De la composition de la flotte, des formations flottes, ils ont dû rallier leurs alliés pour piller et brûler Britney Pram aussi rapidement et aussi efficacement possible. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette flotte? Je crois que t'es fait un ou deux ennemis, je crois. Je crois que c'est en train de tester. 215 de flotte. Mais tu te fous de ma gueule? Visiblement, oui. Mais 215, mais... Je crois que la réalité, c'est... 200... Oui. Tu veux vraiment Mais attends, ma station, elle va venir, elle va... Ok, je pourrais presque faire un autre habitat en fait plutôt que. Je sais pas. Je l'ai fait toi ton traité, hein, je pense que oui. Hein, Non, tu l'as pas, nettoyage des terres, on gagnerait une tuile. Allez, c'est payé. Tu la portes pendant 30 ans, hein, les 500. Hein. En plus, hein, tu peux y aller. Hein. Oui, non, mais c'est pas là-dessus, c'est là, c'est 500 dollars pour les tuiles supplémentaires. C'est en dollars. Voilà, c'est la petite particularité, c'est que c'est en dollars. Donc là, je viens de faire le QG, il me faut 10 de pop ici, c'est très bien. Donc du coup, tu peux t'améliorer toi. Allez, on améliore dans tous les sens. Même s'il n'y a pas encore la population pour bosser dessus, ce qui est très rigolo. Note à quel point c'est très très rigolo. Ton zoo. Le xénozo, c'est parti. More declared. Ça. Ici, il me faudrait. Colony established. Plus par là, du coup. Il me faudrait. Le bouclier. Le boubou. Le clicli. Le yéyé. Le bouclier. Une centrale, ok, ça marche, ça roule pour une centrale, une ferme, deux fermes. T'as comme quoi quand t'as une planète qui est grosse quand même, franchement, le fric que tu fais, quoi. C'est assez dingue. La centrale d'énergie. Et il me faudrait quoi? Quoi? Comment ça on est plein de quoi? Ah non, on est... oui, ok, on est trop de système. Oui, on se marche dessus. Non, c'est vrai. Putain. Putain de putain. Putain. Le monument artistique n'est disponible à la construction, il faut soit en acheter un nouveau. Ouais, mais bon, je pense qu'à tous les coups, l'autre con il va me dire non, tu peux pas en acheter, je sais pas, je faut qu'on travaille, on est des artistes, connard. Est-ce que ça t'arrive de bosser l'artiste? Est-ce qu'il t'arrive parfois, j'aimerais te commander une œuvre d'art. Malheureusement, nous n'en avons pas, effectivement, tu es un boulet, ferme ta gueule. C'est moi qui l'ai acheté. Ah putain, tu fais chier, mais vous faites tout chier. Vous êtes vraiment tous des sales cons. C'était sur quelle planète que j'étais du coup? Ah, ça peut s'améliorer. N'hésite pas, améliore bien sûr. Bon, ouais, bah, ça suffit. C'est rigolo. Moi je m'attendais à un truc de fou, tu sais, les anciens drones et tout. Mec, 6 corvettes. Ouais, bah après, faut pas oublier que c'est des forces que tu peux rencontrer au départ. C'est pour ça que c'est pas si vénère que ça. Même le dragon là, quand tu me dis oh le dragon c'est chaud. Pff, dragon, je vais taper dessus, il a queené tout de suite quoi. J'avoue, putain. Il fait queen. Franchement, ça vaut pas le coup. Ça me ferait plus rire, quoi. Après, la logique voudrait que je tape une centrale. Bon,
allez, on va suivre la logique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? New Jessicaern est en guerre, bien sûr, évidemment. Ouais, ils sont morts, tout, tout le monde veut lui casser le cul maintenant. Puis avant c'était lui qui voulait casser le cul de tout le monde, et maintenant c'est tout le monde qui veut lui casser le cul. Le pauvre mec, finalement, finalement pas de chance. Finalement, bad bull. Bah du moment où je suis arrivé... For everyone. Ah c'est bien, putain, mon affluence est remontée, ça c'est cool. Ça c'est cool. Je t'ai déclaré une rivalité, je sais plus. J'ai eu le temps oui, ou pas? Oui, tu l'as fait. Je te l'ai faite? Ouais. Ok. Bon, très bien. Si c'est fait alors... Si ce n'est plus à faire, tout va bien. Où sont les armées? On gagne pas mal. Donc, alors, moi, je suis sûr et certain dans mon histoire qu'il y a des, planètes, je leur ai pas fait leur décret. Je suis certain que dans mes planètes principales, il y en a qui ont pas leur décret. Station under attack. Toi, tu l'as, ça c'est sûr. Mais pourquoi je me fais chier? Mes planètes, elles sont là-haut. Oh, je me fais attaquer. Yes. Par qui? Par quoi? 14K qui viennent attaquer une petite base qui est où? Ah, lol. Il y a des gens qui ont du bourre. Ça me fait marrer. Allez, va là-bas. Du coup, ce qui me fait penser que vous, les petits mecs, il serait peut-être temps de m'envahir cette merde, hein, poser les armées. Parce que bon, là-dessus, je pense que maintenant, vous pouvez... Non, toi tu vas rester là, tu peux pas aller plus loin. Par contre toi tu vas venir là. Tu peux pas aller plus loin mon gars. Il y a un peu trop de monde. Qu'est-ce que c'est? Un camp commercial, ouais sûrement. C'est génial. Bon dans 3 mois tu risques d'avoir un petit freeze. Ah. C'est normal hein, de quelques secondes. Parce que je vais incorporer Corinth. Que moi, quelques secondes, ça devient vite beaucoup de temps. Mais c'est pas grave, c'est pas le souci. Ce n'est pas un souci. Ça bosse. Donc Chronos, évidemment, j'ai envie de dire question stupide. Voilà. Sakis Prime, question stupide. Sakis Prime 2, tiens il y a deux, c'est rigolo quand même. C'est bon, liste décret. Ah, sur Pantarum Prime, c'est où? Ah, c'est la nouvelle. Colonization là, in y a progress. Une tuile à gagner. Bon bah, gagnons une tuile. Construction complete. Et prends le nettoyage des terres, merci. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Là je pense que ce sera... Ah si c'est bon aussi. Ici aussi. Ici aussi. Et là c'est mort. Et on est où ici? C'est... voilà c'est ça, c'est les mondes de merde qu'il faut recoloniser. Construction complete. Et tout. Yes. Du coup il doit me rester un vaisseau colon qui traîne dans le coin. Un vaisseau colon. Non, il est déjà en train de coloniser. J'ai plus de vaisseau colon. Ma vie est dégueulasse. Allez, on scroll. C'est un jeu, faut être musclé du scrollage. Hein. Du scrollinger. Je vais avec toi. Qui se... ouais, c'est... Je t'aide. Tu scrolles comme il faut ou pas? Attention, prépare-toi à voir mon nouvel support. Empire dans quelques jours. Attention. Ah, mais, d'ailleurs, j'ai plus besoin de me faire chier avec ça. Colonization parce que, hein, in progress. Pourquoi on s'embête? Pourquoi quelque part je m'embête? C'est justement le moment. Bon, freeze. Voilà, c'est bon. Ah oui, le fameux freeze, attention. Alors attends, là je remets vite en normal parce que ordinateur... c'est oula, je joue en PLS, hein, direct. Hein. Souris d'ordinateur qui s'est affiché. Oulala, il m'a fait non. Le scroll en même temps que je réfléchis, non. Hors de question. Donc, on va direct intégrer les autres, hein, n'est-ce pas? Les autres, n'est-ce pas? Créer un nouveau secteur. Alors. Ah ouais, mais moi ça va être la même chose, hein. Créer un nouveau secteur là. Ça va alors. Être très beau. Ouh, je suis à moins 1640 de crédit énergie. Donc le délai entre quand je clique et quand il réagit est quand même monstrueux. Oh, ah oui, mais je gagne même leur armée en fait. C'est ça? Attends, j'ai gagné les vaisseaux scientifiques. Attends, tu vas me dire que j'ai...
Oh, il y a 13 000 de flotte là quand même, hein, qui se balade. Ah, c'est encore du 530 au sol, hein. Et j'ai un nouveau vassal. Bon, sol, regarde. Nouveau vassal. Un nouveau vassal. Regarde. Regarde la droite de la galaxie. Putain, l'enfoiré, il a tout piqué. Il a même pas laissé une miette pour les potes. Ah oh, putain, mais attends, c'est bordel. Moins 1400. Alors attends. Alors déjà, vous détruisez, démantelez. Rétrogradé. Ah, faut que je patiente un peu. Tu m'étonnes. Faut que les mecs fassent. Ah oui, gain d'influence de l'Empire, moins 90%. Génération d'énergie au pire, moins 90%. C'est normal, j'ai trop de planètes. T'es dans la douillante. Non, non, faut juste que je crée un secteur. Ah non, lui, je vais le garder. Pour le coup, je vais le garder. Hop. Si je vais le garder d'ailleurs. Et toi je vais être rétrograde. Soit. Si je vais le rétrograder. Alors créer un nouveau secteur. Tac. Petite assimilation de territoire, hein, vite fait bien fait. Ah. Le jeu. Ah allô le jeu. Est-ce que tu m'entends? Allô, oui. Le jeu. Non, le jeu. Non, il était un peu à côté de la plaque. On l'aime bien. Il n'avait même pas pris mes clics, mais ça va. Il est encore là. Il m'entendait encore. Tout va bien. Et ici, silo qui va bien. Parce que maintenant, on gagne des grosses quantités. Et j'ai beau rajouter des silos, j'ai l'impression que j'en ai jamais assez. D'ailleurs, c'est pas une impression, j'en ai jamais assez. Et normalement, je vais tellement faire exploser mon ancrage que je devrais pouvoir respécialiser certaines de mes stations, histoire d'être tranquille. Et tranquille, mon bilou. Oh là, le plus 6 d'influence, ça commence à faire plaisir. 6,46 même d'ailleurs. Hein. On commence à s'approcher du 7, hein. Ça fait plaisir. Hein, avec ton influence de 0,1, clochard va. Mec, qui n'a aucun impact sur ce monde. Moi, je suis à moins 2. Parce que l'intégration de dépendance, pendant l'assimilation, ça te fait gagner moins 5. On n'entend pas ce que tu dis, mais on est complètement d'accord avec toi. Quand tu intègres une influence, pendant le temps d'influence, donc plus c'est grand, plus ça coûte de l'influence et plus c'est long. Et pendant cette intégration, tu as moins 5 en influence. D'accord. Donc là, vu que je suis en train d'intégrer une autre. Dans 8 mois, je prends quart du Empire. Mais voilà. Alors, faut dire, c'est un peu la cible facile, ça t'a toujours été un quart d'Empire. Oh putain. Oh putain, elles sont géniales mes blagues, même sur Stellaris, elles sont formidables. Elles sont magiques. Alors, espèces. Oulé, y a plein de nouveaux mondes là. J'ai les justes cannes maintenant dans mon Empire. Définir. Pleine possession. Oh oui, mais attends, j'ai plein de nouveaux mondes là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a quoi par ici? Il reste des trucs au sol. Ouais, un peu. Pour l'instant, on va patienter. On va patienter un peu. Allez, gros négatif quand même. Hein. Plop, plop, plop. Hein. Ça commence. C'est du gros négatif. À faire à voir.
Avoir à voir. Construction complete. Ok. Tac. Vous avez déjà ébougé, c'est ça. Et eux, ils sont à 451. Il y a encore trop de boulot. C'est normal que c'est normal, hein, parce que là j'ai plein de trucs à faire. Pas de soucis. Ah, c'est les armées, ça c'est bon, il n'y a pas d'embrouille. Du coup, l'embrouille elle est ici. Elle ne veut pas bouger cette flotte là. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire de cette flotte? Aucun itinéraire ne permet à la flotte d'y accéder. Ah, vous êtes bloqué là tant qu'on n'aura pas pris cette planète de con. Non. Ah bah si, hein, faut prendre la planète. Putain. Ah, les mecs avec leurs inhibiteurs PRL, ils me cassent les noisettes. Bon bah allez, hein, posez les armes, on va pas attendre pendant 107 ans. Hein. Ah, j'ai pas la patience. Hein. Je suis trop vieux pour patienter. J'ai pas le temps, j'ai besoin d'argent. Ok, c'est bon, ça c'est fait. C'est bon, je peux remettre en plein. Bon, bah je commence à avoir un petit empire. Hein. Planetary invasion begun. Il y a plein de bâtiments que j'ai jamais fait quoi ici. Ce qui pourrait pourtant être très intéressant. Institut de recherche. Il semblerait que ce soit qu'ici qu'on puisse faire ça, ou alors on peut le faire ailleurs. Ah. Un seul par empire. C'est juste la condition, c'est un seul par empire. De quoi? Non, mon institut de recherche. Je viens de découvrir que j'avais la possibilité de faire un institut de recherche. Ouais. J'accepte de perdre un peu de nourriture, remplace-moi ce bâtiment par ça. So, what else? Qu'est-ce que je peux me permettre de sacrifier encore pour essayer d'y incorporer ce dont j'ai besoin. Sinon je te remplace par... ouais, après pour gagner que 2, c'est un peu miskiner. Alors qu'à la limite je peux te remplacer toi pour faire ça. Faisons ça. Faisons cela. Et par contre du coup ce que j'aimerais voir c'est sur l'habitat de Chronos. Est-ce qu'on peut te remplacer genre une des petites usines des familles par justement le fameux bloc? Ah non, c'est un seul par empire et c'est forcément sur la capitale quoi. Et c'est ouais, quoi cette c'est merde? C'est que les bâtiments, les ministères et tout, c'est que sur les capitales. Tout est sur la capitale dans les ministères. Ah, c'est chiant. Des bons bâtiments. Ouais, je vais remplacer un de mes bâtiments TKT. Ah, et par contre, il me faut moult influencerie. Hein. Ah, faut influencer, hein. Comme Jaja. Hein. Nécessite 112,5 quand même. Hein. Au-dessus, c'est le soleil. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Hein. Le xénozo, de toute façon, on peut pas le mettre chez nous. Le générateur de bouclier que je perds. Enfin, qui est dommage de... disons que ce serait cool de l'avoir. Petit générateur. Est-ce que j'ai un endroit où déjà je pourrais le poser? Genre ici. Est-ce que si je te remplace par un petit générateur... Voilà, je te remplace par un petit générateur, t'as vu. Enemy planet secured. Tiens. Oh pardon. Eh ben santé, je t'en prie. C'est quoi l'ordre actuel des choses là? On peut savoir, je sais plus ce que j'ai lancé en construction.
lancer déjà un dôme du paradis quelque part. Et oui, il fallait que je remplace ça. Je l'ai claqué où mon biome débile. Mon dôme à la con, je l'ai claqué où? Même le compose pas le dôme du paradis. Je l'ai déjà mis, attends, je l'ai peut-être déjà mis, mais je le vois pas. On dira que c'est génial, hein. J'ai pas envie de chercher, merci, au revoir. Formidable. Alors, nouvelle recherche. Les citadelles, c'est fini. Ah. C'est long à faire. Tu me prêtes 1 million de kayas. Oh non, je vais faire ça, c'est pas cher. Allez, les mines niveau 3. Attention, tu vas avoir un petit freeze dans à peu près 10. Tu vas avoir un petit freeze, c'est normal. C'est le quart du empire qui est en train de disparaître. Qui va dans l'empire. Hein. Et là... Attention! Attention! Voilà. Mini freeze. Créer un secteur. Huguet qui essaie de me créer de l'usure, lol. J'adore. Moi j'adore vraiment. Voilà. Petit freeze. Vite fait. C'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est normal. Bouge ton boule déjà jusque là, mec. Déplace-toi ici. On verra. Après E, c'est F. Ça, on maîtrise. Tac. Ok. Ça, c'est fait. Ah oui, ok. Mais c'est... Demain, c'est loin. Waouh, ça va être ça. Et maintenant, la dernière dépendance. Ah oui, du coup... Ah oui, d'accord. Tout va se débloquer d'un coup. Ah, c'est vénère. Faut que je gère ce nouveau secteur. Faut que je le colonise déjà. Ce qui serait déjà pas mal. 323. Globalement, on n'est pas très pauvre, ça va. Je propose un web Pantarium, parce qu'en fait, c'est la ligne la plus directe. Pouf, spatioport, bah il nous faut 4 vaisseaux colons. Amuse-toi bien. Éclate-toi bien. 4 vaisseaux colons, ça va être pas mal. Quatre vaisseaux colons, et puis bientôt même un peu plus, puisque, sauf erreur de ma part, dans les terraformations il en reste 2 et qu'elles vont quasiment suivre. Donc oui, tu peux en balancer 6, mon petit bonhomme. Vas-y, amuse-toi bien. 1 et 2. Voilà. J'espère que tu t'éclates. Voilà. Bien sûr. Le plus important, c'est de continuer à s'amuser tout en tuant son prochain. 14 mois. Par contre, putain, on meule les doctrines. Ils se coulent en affluence des bases de stellaires. Il n'y a pas de solde négatif. D'accord, ça va être vraiment juste la construction de bases stellaires, quoi. Sachant que je risque pas d'en construire tout de suite, en vrai. Ça pourrait se faire, du coup. Bon, par contre, petit bonhomme, tu m'emmerdes, hein. J'annonce. Comment ça? Wow, youpi. Ah oui, mais c'est parce qu'on est en normal, d'accord, on n'avance pas, youpi. Pardon, excuse. J'ai oublié. Ah là là là. Il se touche la nouille pendant 15 jours. On est obligé de subir ça. Regardez ce que je suis obligé de subir. C'est incroyable, ça. On aura tout vu. Cette planète, elle a été prise, non, à la base? Ouais, c'est bon, c'est déjà pris, ça. Ah, ils sont en train de se soigner.
J'ai pas leur état de santé général par contre, ça c'est un peu relou avec les troupes. Voilà, que j'aille jusque là et que je fasse genre le taf, je clique là-dessus, armé. Et bah ça y est, ils sont tout frais. Ça y est, ils sont tout frais. Magnifique. 524 c'est leur maximum. Ouais, nouvelle oh, tropicale, c'est là, pas mal. Bravo, GG. Allez, détruisez-moi cette merde là. Ça t'arrive à ta conquête de l'espace. Oui, oui, oui. La seule flotte qui peut m'opposer, bah là elle est en train de crever. Hein. Enfin, elle est en train de crever. Étant donné que je suis à peu près de force égale, enfin, sinon je suis supérieur, mais pas énormément non plus. Donc il en profite, il me casse quelques bateaux. Les petits bateaux de l'espace. Scientifique, le transport, la première garde. Bon, vous auriez le cul la première garde, hein. Vous auriez volé plus vite quand même, les gars. Hein. Le mec qui râle tout le temps. Donne l'impression qu'il a récemment pris une vingtaine d'années. Le devoir peut être une charge bien lourde à porter parfois. C'est parfait. C'est cool. Et encore une guerre là? Ah non, c'est bon. On peut donc retourner bombarder notre monde. Ouais, ouais. C'est alors, cool. On va voir le nombre de planètes maintenant. Tu es à 33 planètes. Oh, c'est pas mal, hein. Bilan 2, je suis à 34. Elle est où leur planète nulle, ouais. Venez bombarder ça, là. Non, pas du tout. Mais non, en fait... c'est ça, détruisez d'abord ça. Ils sont en train de se réparer, les mecs, c'est cool. Je suis en train de les prévoluer tous pour que pour qu'ils soient contents. C'est des esclaves contents. Ah. Comme quoi l'esclavagisme a du bon, hein. Tu vois? Je pense que. J'ai juste touché à 2-3 trucs dans leur cerveau, c'est tout. Ah, c'est la fin de la guerre. Ça c'est la fin de la guerre. Ouais, toi avec le New Juscan. Oh mais non. C'est New Juscan, tu t'en fiches. Je voulais encore qu'on fasse le guéguerre. On va faire les projets de recherche. Oh, vous êtes pas drôle. Et comment que nous après qu'on fait mumuse là, hein? Bah on peut pas, bah voilà. Voilà, maintenant on déborde de caillasse, c'est dégueulasse, voilà, le bordel partout. Ah bravo, la belle mentalité, hein. Waouh, 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 la victoire, ouais, youpi, bande de cons. On aura tout vu, hein. Te jure, hein. Moi je trouve qu'on a quand même une très large tolérance. Il est où lui? Il fait quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Eh mec, tu fais quoi? Eh mec, tu nous coûtes trop cher. C'est bleu. Voilà, j'ai tué un vaisseau. Oh, dépêche-toi, toi, les temps ils sont limités là. Oh putain, tu voudrais pas un caillou ou deux? Moi? Oui. Vas-y, tu peux m'envoyer max 20 000. Max 20 000? Allez. Ah, j'ai des droïdes maintenant. D'accord. Illégal. Ces robots sont en cours de désassemblage. Ok. Contrôle machin par 10 000, ok. 3 000. Voilà. Confirmé. Sans envoyer. Merci. Oui, une nouvelle faction. Ouais, ouais, ils aiment l'égalité entre les hommes et les femmes. Zub, j'en ai rien à foutre. Eux ils sont en train de crever, ce qui est très intéressant évidemment. Terre confisquée, voilà, attractivité des migrants plus 100%. On adore. Chez moi, ils aiment qu'on tue des gens, ils trouvent ça merveilleux. C'est quand même une idée de génie. Colony established. C'est moi j'apprécie énormément leur mentalité. Il y a pas de planète ici. Mais tu te fous de ma gueule, il y a une planète ici, non? Ah non, il y a pas de planète ici. Ok, d'accord, nice. Bah de toute façon, elle est déjà là, elle est déjà créée. Améliore, hein.
Oui, bah du coup, bah non, vous servez plus à rien, vos... Hop là, vous allez là-bas. Go là-bas. Oui, oui, bah oui, j'ai donné. Oui, non, c'est vrai. Putain, il m'apprend des trucs incroyables. J'aime les choses que m'apprennent ce jeu. C'est incroyable. C'est beau. J'ai vu des tas de trucs. Colony established. Colonie établie. Très bien. Formidable. Pouce bleu. Tout ça. Une habitation qui tourne mal. Ah là là, incroyable. On aura tout vu. Vite. Ah, le jeu. Merci. J'ai un peu de mal à réagir. Pourtant, j'ai rien assimilé. T'es sûr, hein? Construction complete. Bon, bah j'ai réussi ma conquête, hein. Ok, tout ça en part. Tout bah, ça en partant d'un truc clair. Formidable, monsieur, hein. C'est beau. C'est beau ce que tu fais. Complete. Les gens aiment beaucoup ça en partant d'un trou de verre. Petite faille dans l'espace temporel, et ça crée des empires. Tout simplement. Quel est le con qui a laissé traîner une faille ici, quoi. Ça va être ça. C'est ça. Et Putain, mais quelle idée de con. On aurait vraiment dû la fermer, cette faille. Bah là, ouais, je pense qu'il se dit ça, à mon avis. Je suis en train de tous les préévoluer pour qu'ils soient contents en esclave. Ça me fait, j'aime trop le jeu. Trop de passion. Soyez contents, Aminé. Incroyable. Oui, je te rajoute ce secteur au fait. Bravo, monsieur. Félicitations. Vous avez gagné, Jock. C'est cool. Ça serait quand même plus cool si le jeu arrêtait de bugger. Ça serait formidable. J'apprécierais que les mecs colonisent enfin. Ah mais cette colonie n'est pas. Enfin ma cette colonie est à moi. D'accord, c'est problématique. Mais je comprends pas, elle devrait pas être à moi. Enfin le. De quoi ? Attends, c'est bizarre. Ah non, ici. Ah non, la colonie s'affiche en vert aussi. D'accord. L'Empire Klingon a grandi. Toutes les planètes que je donne aux autres, elles s'affichent quand même vertes comme étant en bois. D'accord. Ok. Ok, ok. Il y a juste le décor qui s'affiche en bleu. Très bien. Ok. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, il faut m'expliquer pourquoi vous voulez pas coloniser la planète à côté, bande de blaireaux. C'est quoi chiasse colombienne, vous voulez pas le dire? Vous avez pas le ver solitaire, vous avez le ver réfractaire, c'est ça? Je suis arrivé. Ah oui, je pense que je vais vite aller faire pipi sans faire pause. Hein. Oh là là, incroyable. Les deux en peine. Cool. Oui, oui, moi je suis en tranquillité absolue. Il y a le sous-sail dans les placards. On va baser le QG à la Cheleb, hein. Je pense que baser le QG par ici, ça peut être rigolo. C'est quoi la plus grosse? 24. Oui, 24, putain, il y a des grosses planètes quand même, hein. Bon, il n'y a pas grand-chose dessus, mais la grosse planète, hein. Coloniser la planète. Par exemple. Magnifique. Bon, autant faire des ports stellaires, hein, pas se mentir. Autant faire des ports stellaires.
Là, j'ai quand même une flotte qui a bouffé un peu, hein. Putain. Petite claque. Petite claque. Alors ici, 5 mois et on progresse, ça c'est cool. Vraiment, ça me l'avait réduit drastiquement la prochaine. Et tout va tomber en même temps en fait. Hein. Vraiment, ça va être la teuf d'un coup. Rebonsoir. Ah, rebonjour monsieur. Pourquoi vous êtes revenu? Nous étions en train de comploter tranquillement. C'est pas cool. On était bien nous en train de comploter. Poser les armées. Deux. Ah, il prend pas les trucs. 2. 3. Ah, le jeu a du mal à suivre, c'est ouf. Le jeu en PLS. Ah oui, au fait, c'était l'époque pour claquer du pognon, c'est vrai. Augmentation citadelle. Citadelle. Et puis normalement on a plus de pognon. Si j'ai compté, théoriquement on est fauché une fois que le jeu a compris que j'ai demandé 2 citadelles. Ah, c'est ça. Le jeu a compris. Le jeu a compris à quel point en fait on était pauvre. Voilà. C'est pour ça que j'avais autant de caillasse à l'origine. Mon cher Knarfan, je vais devoir l'acheter. Car le manger m'attend. Ah oui, c'est vrai que tu es d'une drôle d'espèce qu'on appelle les Alsaciens, qui mangent à des heures étranges. Soit. Je ne dirai rien, moi, le Parisien qui boit du café à 18h. Bah écoute, ça marche, hein. Bah tu fais des boobies à YouTube, et puis bah à la prochaine, quoi. Bis YouTube.